un village, justement, c'est différent d'un être humain. Un être humain, justement, il ne faut pas qu'il change. Et je veux dire, il faut qu'il reste un humain, quoi. Et donc, on arrête de le lier à son placenta. Le village, au contraire, il faut qu'il évolue, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il se développe, etc. Et donc, on lui met un boli qui est sa force, en quelque sorte. Et on travaille sa force pour que ce village se développe, en fait. Donc, c'est une action. Et c'est une action qui est pas du tout symbolique. Symbolique, c'est vous qui dites des mots pareils. Moi, j'ai jamais dit un mot. Vous m'avez pas entendu dire une fois le mot symbolique. C'est de la technique. Et c'est une technique qui met en œuvre des concepts. Bon, ces concepts, ils sont contestables. Si vous voulez les contester, vous les contestez. Mais vous les contestez de manière conceptuelle. Vous ne pouvez pas les contester en disant c'est symbolique, c'est pas symbolique. Vous diriez ça aux habitants du village. Votre boli, il est symbolique. Ils grimpent au plafond, les gens. Hein. Ben parce que c'est leur boli, quand même. C'est leur c'est la force de leur endroit, quoi. Vous ne pouvez pas leur dire c'est symbolique. C'est leur objet, c'est leur chose. Ça s'appelle des choses. D'ailleurs, ils appellent ça comme ça, des choses. Et d'ailleurs, le mot chose a la puissance, en fait, quand vous revenez à l'étymologie du mot en français, a cette même puissance en français. Chose, c'est ce qui cause. C'est ce qui est à l'origine des événements. C'est la chose qui est à l'origine des événements. Et bien, c'est exactement ça. C'est des choses, et ces choses-là, l'intérêt de ces choses-là, c'est qu'à la fois elles sont fabriquées, parce que c'est très compliqué de fabriquer un boli. Vous l'avez vu, vous savez que c'est fait en quoi? Ce sont des brindilles. Ce sont des brindilles amalgamées les unes avec les autres, tressées jusqu'à donner cette forme, ensuite recouvertes de terre, et ça a reçu, génération après génération, pendant des dizaines d'années, des centaines d'années parfois, les sacrifices animaux, le sang, les œufs, le lait, et dans ces moments un peu rituels, d'autres substances qui sont des substances humaines, si vous voulez. Donc ça a été fabriqué. Ça a été fabriqué, et en même temps, ça fabrique les gens. On fabrique ce qui nous fabrique. Vous comprenez ce que je veux dire ?